Qu'est-ce que c'est ? Hé, hey, des nouvelles graines. Je vais les apporter à Pili dans le jardin. Bienvenue, Jedi. L'immobilité amène le calme, fait place à la sagesse. Pourtant, la galaxie est rarement statique. Cependant, le mouvement peut apporter de la clarté. Laissez la vérité couler comme un fleuve et creuser de nouveaux canaux autour de tout obstacle. J'aurais jamais cru que ça me manquerait. Qu'est-ce que c'est ? Coruscante. Le temple. Ma chambre trop petite. Je connais bien ça. C'est fermé. On va montrer ça à Zed. Il n'a pas le droit de défier le Conseil. Dagan Gera pense qu'il doit faire ce qui est juste. Maître Rancisis ne le permettra pas. La vérité coule comme un fleuve ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je ne comprends pas ça, je ne deviendrai jamais un chevalier Jedi. What?
c'est sale. Tout cet entraînement. Et pourquoi au juste? Une planète qui n'existe peut-être même pas. C'est quoi ça? Fichons le camp d'ici! T'en fais pas. Je te ferai rien.
Attrape. Salut! Vous avez de la priorite sur vous? Non, j'en ai pas. Alors vous êtes rien. Moi j'en ai. Ça m'a pris la journée pour en trouver. Je peux voir? Bon, j'ai menti. J'en ai pas. Je suis un raté. Je suis pas sûr de comprendre. Mon apparence, petit. Ça te réchauffe les bas-fonds. Ça te jette des embruns au visage. T'as l'air en forme, Scuva. Espérons que les tritons frangés seront d'accord. Je vais devoir rassembler tous mes charmes marins si je veux les attirer dans mes filets. Qu'il t'aime bien. Oh, je suis pas surpris. C'est un de mes talents cachés, ça. Tu vois, le triton frangé est la plus sensuelle des créatures marines. Nerveux. Sauf quand il cherche un partenaire. D'où mon apparence aujourd'hui. C'est une honte de le tromper. Mais je peux lui offrir une maison tranquille dans mon aquarium en récompense. Ça me semble bien. Bon, on continue cette histoire. Où on en était? Ah oui, le monstrueux capitaine Mouette, son équipage et moi, on fuyait à bord du vaisseau pirate des Zéphyr Abject. Aussi vite que le dégel du matin, j'ai su qu'un truc allait pas. Wanyak me regardait pas dans les yeux. Et une odeur épouvantable flottait dans sa barbe pourrie. Un mauvais présage. Wanyak a pris la barre, il a remonté les griffes d'atterrissage et on s'est envolé. On a mis le plus de distance possible entre nous et ces pirates. On s'est retrouvé vers la route commerciale, perle mienne. Dès que le capitaine a lâché la barre, il a pris son harpon et il m'a lancé un regard, comme un chat en tout cas, affamé, qui observe un sprat. Scuva a grondé le vil capitaine. T'es devenu aussi mou qu'une huître. Si je peux pas compter sur toi pour tuer un Quaron qui a son blaster sous ton nez, je peux pas non plus pour embrocher le grand poisson-loup. Quand j'ai hésité à presser la détente, ça m'a déstabilisé. Malgré mes supplications, le capitaine a largué le pauvre Scuva dans un module de sauvetage. La dernière chose que j'ai vue, c'est son sourire effrayant et tout tordu. Mon expérience sur le grapnel s'est finie de façon houleuse. J'étais seul dans un module, avec rien d'autre qu'une vieille réserve de morue. Je te dirai la suite plus tard, Gamma. Le désespoir, l'odeur, ça suffit à me retourner l'estomac encore aujourd'hui.
Voilà. Maintenant, tu peux y aller. Hé, hey, des graines. On devrait les planter la prochaine fois. Ensemble. Après toi. Thank you.
Voodoo, mon grand. Pour la balade. Une menace. Thank you.
Tiens, voilà un autre éclat. Regarde ça, BD. De la priorite. Bel ajout pour notre jardin. Impossible d'appeler une monture ici. Aide-moi. Fais en sorte que je le mérite. J'espère que ça...
Enfonce, BD. La chose pour notre jardin. Faufile, hein. J'aimerais bien la voir. C'est quoi ce... Bon sang, Dana! Tu veux transformer ma tête en cratère ou quoi? J'ai pris des dégâts.
Qu'est-ce que t'as trouvé ? Restez où vous êtes. Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Il y a des lois à respecter ici. Oh, écris qu'on se casse ! Je crois pas. Dans un sacré bazar cette fois, mon vieux Turgel. Toujours en fuite, pas un crédit en poche. Tout le monde me déteste. Peu importe où je vais, je suis toujours seul. Les prospecteurs n'avaient aucune chance. C'est un sacré arsenal que vous avez là. Un arsenal ? Quoi ? Pourquoi demander ça à Gara ? C'est pas vos affaires ! Je ne suis pas là pour chercher les ennuis. Qu'est-ce que vous allez en faire ? C'est un cadeau pour Revis ! Un hommage, oui. Un cadeau ? Vous voulez rejoindre les pillards ? Oui, rejoindre les pillards. Fini la prospection. Fini les autres qui appellent Gara faible. Sang et gloire avec Revis ! Les pillards sont dangereux. Et ils passent pas d'accord. Dangereux. Gara rit du danger. Gara vit pour le frisson de la chasse. Mais vous, êtes pas tueurs comme Gara. Vous entendez pas la paix. Vous ne voulez pas rejoindre les pillards.
Gara veut pas rejoindre les pillards. Les pillards ne sont pas fiables. C'est trop dangereux de marchander avec eux. Oui. Pas faire confiance aux pillards. Trop dangereux pour Gara. Non, non, pas d'accord. Trop risqué. Contrebande, là. Prenez. Gara en veut plus. Bon, très bien. Vous allez laisser tout ça ici? Toi prendre contrebande. Gara se débarrasser du reste. Garder trop risqué. Cherche quelque chose. Trouve-le, ou on te trouvera, toi. Ça pourrait être utile dans le jardin, n'est-ce pas? Regarde un peu le traitement. Évite ça.
On va rapporter ça à Cage. Z pour le déchirer. Je dois me recentrer. Mal. Fais attention, d'accord ? Achève-le!
C'est bon, c'est réglé. Il m'en dira plus une fois que j'aurai planté ces graines. Vraiment impressionnant. Oh, vous avez trouvé des graines? Plantez-en une et je vous en parlerai. Vous avez un vrai talent pour ça, Cal. Merci. Grise m'a appris quelques trucs. Depuis combien de temps est-ce que vous jardinez? J'aime les plantes depuis que je suis toute petite. À l'adolescence, j'ai commencé à travailler dans une pépinière. Mon travail est devenu ma passion. Et j'ai découvert par hasard une innovation. Qu'est-ce que c'était? L'hybridation de divers spécimens génotypiques au sein de nouveaux environnements macrocosmétiques. C'est un peu compliqué. Je veux dire que j'ai développé un talent pour faire pousser de nouvelles plantes dans de nouveaux endroits. Eh bien, ces spécimens ont de la chance de vous avoir. C'est ce qu'ils me disent. Billy, pourquoi avez-vous arrêté vos recherches? J'ai perdu mon laboratoire. Quand l'Empire a occupé ma planète, il a réquisitionné ma pépinière et arraché jusqu'au dernier brin d'herbe. C'est horrible. Pire encore, ils l'ont transformé en laboratoire d'armes biochimiques. Mes recherches servent désormais à répandre la mort. J'ai refusé de coopérer. Je me suis enfuie à bord d'une navette clandestine et me voilà. Eh bien, vous êtes en sécurité maintenant. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Mais vous, Cal, je vous crois. Les plantes ont besoin de moi. Autant planter des graines tant qu'on y est. Formidable. Plantez-en une, je vous dirai ce que je sais.
Pourquoi tu m'as fait venir? Je ne t'aime pas et tu ne m'aimes pas. C'est vrai, mais tu m'ennuies moins que tous les autres bouffons dans ce trou perdu. Et je crois que tu penses la même chose. Qu'est-ce que tu dis? Crache le morceau. Tu sais très bien ce que je veux dire. Et si ça te plaît pas, tant pis pour toi. Ça a l'air très sympa. Hey BD, j'ai besoin d'aide. C'est quoi ça? Merci, BD. Qui va là? Je ne suis pas d'ici. Je ne fais que me promener. Alors, du vent? Y'a rien pour vous ici! De quoi vous avez peur? Vous m'aurez pas! Vous venez pour mes lumières! Vous voulez me tuer, comme cette bande! Je ne suis pas là pour vous tuer. Allez, oust! Du balai! Vous n'avez rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Je suis un allié contre les pillards. Vous êtes un allié? Un allié contre ce gang? Allez, allez, entrez, vite! Vous faites rentrer toute la poussière! Ça va? Vous êtes un allié? Un allié contre les pillards. Mais même les alliés ont des secrets. Nous avons beaucoup à faire. Beaucoup. Qu'est-ce que vous comptez faire? Trop occupé. Pas maintenant, étranger. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Beaucoup de soucis. Bizarre. Pas. Je t'en empêcherai. Vous ne comprenez pas. C'est pas encore prêt. Non. Il a tué son propre frère. Toi aussi. C'est ça le foyer dont tu parlais? Exact. J'y ai laissé certaines possessions. Je pense qu'ils n'en auront plus l'usage. N'hésite pas à bien chercher. T'en es sûr? Je n'en ai plus l'usage. Prends-les. J'insiste. Thank you.
bientôt quitter Kobo. Où est-ce que tu vas? Mes propriétaires avaient de la famille sur Anderon. Je vais les chercher. Mais quoi qu'il en soit, je compte bien apprendre des compétences plus concrètes. Des compétences concrètes? La médecine, la chirurgie. Ce qui s'est passé dans ces grottes était horrible. Et je n'ai rien pu faire. J'apprendrai pour que ça ne se reproduise plus. C'est difficile d'empêcher la souffrance dans cette galaxie. Mais ça en vaut toujours la peine. Bonjour. Je peux te confier quelque chose, Cal? Bien sûr. C'est pas facile à admettre pour moi, mais... j'aime beaucoup la musique d'Ash. Elle me trotte tout le temps dans la tête. Oui, je dois dire que ça sonne bien. Pourquoi vous vouliez pas l'admettre? Je sais pas. J'ai une réputation, j'imagine. Je suis coriace, vigilante, prête à faire ce qui doit être fait. Ça a pas l'air comme ça. Mais au fond de moi, je sais que je suis née pour danser, Cal. Je me suis surprise à fredonner un de ses airs l'autre jour. Et un client a cru que j'étais devenue folle. Tu viens ici tellement souvent que t'es presque un habitué maintenant. T'as des choses sympas? La plupart des commerçants t'offriraient une ristourne ou autre, mais pas moi. Rien de personnel. Mais quand on commence à distribuer des objets gratuitement, les gens s'indignent en disant « Et pourquoi moi j'en ai pas ?» J'ai pas besoin de ça. Ça paraît logique. Tu sais ce que j'aime chez toi, Cal? T'es pas toujours en train de me harceler pour que j'intervienne et que je t'aide à résoudre des conflits. J'aime essayer de régler mes propres problèmes. Je suppose que toi aussi. Exactement. Il y a longtemps, j'ai vu un prospecteur se disputer avec son droïde de protocole. Il était tellement énervé qu'il en est devenu violent. Alors, je suis intervenu, j'ai dit au prospecteur que s'il levait encore la main sur son droïde, je le bannirais de mon magasin et j'irais dire à tous les commerçants de la ville de faire de même. Il l'a vite fermé. Depuis ce jour, je suis ce qui se rapproche le plus d'un maire dans cette ville. Je voudrais pas me frotter à toi. Ça, c'est un autre truc que j'aime chez toi, Cal. T'es assez malin pour éviter les problèmes quand tu les vois. Oh, quel bon petit droïde! J'ai besoin de ça. Moi aussi, j'adore ça. Ça pourrait être utile. Ni échanger, ni rembourser. T'en trouveras pas ailleurs. Ça me semble très bien. J'avais gardé ça juste pour toi. Je serai toujours là si tu as besoin. Te voilà. Bond m'a tout raconté. Avec les deux flingues. Un vrai tireur d'élite, comme dans les holovides. Tout doux, capitaine. On essaie juste de débriefer. De débriefer? T'entends ça? C'est un pro. Pourquoi on débriefe jamais, Cal? Du calme. Tu apprécies le feu des projecteurs, Bond? Autant qu'une fouille corporelle impériale. Mais je dois dire que c'est cool de voir tout le monde aussi enthousiaste. On parlera plus tard. C'est marrant, mais quand t'as débarqué ici la première fois, j'étais prêt à te mettre dehors. Ah, c'est marrant parce que moi, je me souviens m'être demandé est-ce que c'est moi qui vais offrir à ce latéros son deuxième bras prothétique. Salut, Cal. Content de te voir. Mais, sérieusement, tu nous as bien aidés. Tu as veillé sur le petit. C'est comme si... Excuse-moi. C'est des larmes que je vois dans tes yeux, Grise. Quoi? Tu plaisantes? Non, non, ça doit juste être la fumée. Y a quelqu'un qui fume ici? Interdiction de fumer! Je comprends, Grise. C'est pareil pour moi. Au fait, si jamais tu veux faire modder ce bras, je connais quelqu'un. Un spécialiste des bras? Eh oui. Bah, je vais y réfléchir.
Le Pailoun attire du monde. Ouais, on dit peut-être que je suis le meilleur cuisinier de ce côté de la voie Ivienne. Qu'est-ce que t'en sais, BD? T'as même pas de papilles gustatives. Fais attention à toi, là-bas. Cal, vise un peu ce saloon. Manque n'a pas chômé. Je l'ai aidé en restant à l'écart. Tu savais qu'il y avait même un jardin sur le toit? Oui, je l'ai vu. Tu sais ce que j'aime chez les plantes? Quand je leur parle, elles ne peuvent pas s'en aller. Salut, Cal! Et la lumière en furie est ouverte par la lame de la pierre. Quelle lame? Quelle pierre? Qui tranche le mieux? La pierre ou l'eau? Tu aimes ce que tu vois? Tu as les yeux qui brillent devant ça? De la rivière est-il un droit de naissance? La pierre. C'est bon. Je voulais justement m'en débarrasser. Fais attention aux chasseurs, Cal. Tu as de la veine, Cal. J'ai une autre piste pour toi. Ah ouais, c'est quoi? Mash, un droïde chasseur de primes qui parle du labo de la lune brisée sur la radio de la nuit. Va le faire taire, tu veux bien? Je trouve que c'est une honte pour la profession. On s'en occupera. Tôt ou tard. C'est bien! Qui c'est ton copain armé, là? C'est Baud. Il a l'air débrouillard. Tu veux pas nous présenter? Si tu veux lui parler, vas-y, fonce. Oh, t'es pas marrant. Baud! Baud! Ça sonne comme un coup de canon! Vous êtes là pour connaître votre avenir? On essaie, mais impossible d'obtenir une réponse digne de ce nom. Vous voulez bien répéter? Entre les berges envasées, la rivière ondule, l'écueil de la culpabilité, le lien brisé. Oh oh! J'ai figé! Elle dit qu'il y a la possibilité de s'en mettre plein les poches dans une rivière remplie de vases. Ah, t'entends qu'est-ce qui t'intéresse? Pour moi, ça ressemble à un avertissement. Du genre qui fait peur. T'en penses quoi, Cal? C'est une galaxie dangereuse. Je préfère faire confiance à mon propre instinct. Tu vois, lui, il a tout compris. Qui a déjà fait le coup du siècle en se montrant plus prudent? Comment on passe des bruits de Ryosa à la création musicale? Eh ben, j'ai composé quelques morceaux. Je les ai donnés à des amis et le bouche à oreille a fait son œuvre. J'ai dû commencer à faire ça à plein temps. Au final, quelqu'un avec de l'influence a fini par entendre ça en passant. Il avait travaillé avec Max Ribot, donc je me suis dit qu'il était réglo. Max Ribot? C'est vrai que c'est un super musicien. Ouais, il a dit qu'il pouvait m'avoir des concerts dans le noyau. Quand il a dit noyau, je pensais à Chandrila. Mais non, il parlait de Coruscant. Donc j'ai été là-bas. On a quelques sons, mais il doit y en avoir bien plus. Je sais ce que tu es. Pour moi, ça change rien. Vraiment? Bien sûr. Ton allure générale, ce sabre à ta ceinture... Je dirais rien, évidemment. Pourquoi pas? La prime pourrait vous permettre de fuir cette planète? Et je t'en ai dit assez sur mon passé pour me retrouver dans une prison impériale. Je suppose que je vais devoir faire avec le code d'honneur des hors-la-loi. Écoute, je sais ce que ça fait d'être du côté des perdants sans issue en vue. Et je respecte ceux qui continuent à se battre quand tout semble perdu. Vous êtes un type difficile à cerner, Moran. Alors, comme on dit, j'ai encore le truc. À plus tard, Cal. Alors c'est vrai? T'as vraiment repris ce droïde au pillard? Je crois pas qu'on se connaisse. Oh, bon sang. Pardon, j'arrive dans ton dos comme un Rauka. Appelle-moi Ar. Je suis là depuis plus longtemps que ces blancs becs. Sauf Doma. Et Gulu. Et Guido. Et la vieille tôle, mais elle... Ah, pardon, je recommence. Cal, c'est ça? Oui. Et lui, c'est BD. Ravi de te rencontrer. Un plaisir. Une autre fois, peut-être? T'as vu ça, gamin?
la tempête m'emporte, l'aquarium est à moitié plein. J'espère qu'ils s'entendent bien. Ouais, mais on a encore du pain sur la planche, petit. Il y a encore des bulles disponibles pour d'autres poissons. On continue la pêche. Des prospecteurs m'ont parlé d'un bâtiment étrange, avec une entrée particulière. Ça pourrait être une de ces salles de méditation. Oui, je me disais la même chose. Tu me diras si tu trouves quelque chose, hein. Pas de problème, toi. Salut. Admire mes articles. Avance prudemment, Cal. Content de vous voir de retour. Comment ça se passe au Pailoun ? C'est délicieusement en ruine et parfaitement unique. Si cette cantina était sur Coruscant, on pourrait quadrupler les prix et les gens feraient quand même la queue. Du nouveau avec le bloc de données ? J'ai demandé à Doma, elle est sur le coup. Merci encore pour votre aide, Cal. De rien. Bonjour. On discutera plus tard. Sans aide. Ça va mieux, Cal. Surtout depuis que j'ai quitté cet affreux vaisseau. Il est pas en super état, c'est sûr. On pourrait en dire autant de toute la galaxie, non? Mais c'est bon de voir qu'il reste encore quelques lueurs d'espoir. C'est pour ça qu'on lutte toujours. En effet, je dois dire que je vois les vestiges de l'ordre, de mon ordre, en toi et tes amis. C'est réconfortant. Des fois, tu sais vraiment trouver les mots justes. Nous parlerons plus tard. Allez, tu as affaire. Le jardin est vraiment splendide. La vraie BD. Un nouveau spécimen, fascinant. Plantez-le et je vous dirai ce que je sais. Ce bulbe bigarré prendra bien racine, je pense. Les couleurs vives servent à intimider les prédateurs. La plante est inoffensive. Et même jolie. Ce coquifruit sera superbe une fois en fleur. Les feuilles larges permettent de garder la fine tige à l'ombre. Elle pourrait cloquer facilement sous la chaleur. Une épine de kobo. Tout est dans son nom. Elle vous protège des prédateurs et est très efficace. Sa fleur est très belle et complexe. Mais ses épines sont si pointues qu'il vaut mieux l'observer de loin. Oh, salut! Des graines, fantastique! Plantez-en, et je vous dirai ce que c'est. Excellent! Une nouvelle espèce! Plantez-la, je vous expliquerai tout.